Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission d'appalache en quelques mots, spéciale élection municipale. À la suite des élections municipales de dimanche le 5 novembre, le Conseil des maires de la MRC des Appalaches ne subira pas de changement profond. En effet, seulement quatre nouveaux venus se joindront aux 15 maires déjà connus de ces municipalités. Madame Jacinthe Petrie, D'Israëli Paroisse, Monsieur Jean-François Hamel, Irlande, Monsieur Philippe Chabot, Saint-Jacques-de-Leeds, et Monsieur Gaston Nadeau, Saint-Joseph-de-Coleraine, sont les nouveaux venus. À la ville de Thetford, le maire, Monsieur Marc-Alexandre Brousseau, a été reporté à la mairie après avoir recueilli 7024 votes, soit 82 des votes exprimés. M. David Poulain, son opposant, s'est contenté de 1543 votes. Au niveau des conseillers, M. Adam Patry a été élu dans le district numéro 3, M. Yvan Corriveau dans le district numéro 4, et Mme Lise Delisle dans le district numéro 8. Deux conseillers sortants, Mme Denise Bergeron, et M. Daniel Poudrier n'ont pas été réélus. À la suite de sa nomination, M. Brousseau s'est adressé à ses commettants. Alors, euh, très content du résultat. En fait, merci à tous pour un appui aussi clair et décisif. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour exercer leur devoir de citoyen. En ce jour de souvenir, souvenons-nous de la chance que nous avons de vivre en démocratie et de pouvoir voter en toute sécurité. Cette année, la ville avait mis plusieurs moyens pour favoriser le plus possible l'accès au vote, mais visiblement, nous aurons à poursuivre notre réflexion pour inciter encore davantage à poser le geste démocratique. Vous avez été 6 897 personnes à m'appuyer, si j'ai le bon chiffre, et je dois avouer que ça me fait un bien incroyable. Malgré une campagne électorale un peu bizarre, j'ai mis tous les efforts pour que le résultat soit le plus convaincant possible, et grâce à vous, c'est réussi. Le 3 novembre 2013, c'est dans tous les bureaux de vote de la ville que j'avais gagné mon élection. Et lorsque j'aurai l'occasion de valider cette fois-ci, je crois comprendre que c'est encore la même chose pour 2017. Merci. Au cours de mon premier mandat, j'ai été extrêmement présent dans la communauté. Il s'agit pour moi de la seule façon de faire de la politique. Alors, vous pouvez vous attendre à me voir autant dans le prochain mandat. Le, le dernier conseil municipal m'a soutenu pour réaliser plusieurs projets et exercer une gestion rigoureuse des finances municipales. C'est aussi avec intégrité et équité que j'ai exercé mon leadership et nous avons su nous tenir droit pour prendre des décisions difficiles et protéger l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Après une année 2017 marquée par le 125e anniversaire de la ville, notre année 2018 sera définitivement teintée par le venu des Jeux du Québec que nous recevrons pour la troisième fois. Nous aurons besoin du support de toute la population pour être en mesure de bien recevoir la grande visite. Nous devrons aussi nous organiser pour profiter au maximum des retombées que pourra nous procurer notre centre de congrès qui est actuellement en construction. Le nouveau conseil aura du pain sur la planche pour travailler à la transformation de Thetford, au changement d'image de notre ville. Et là-dessus, j'aimerais souligner, euh, j'aimerais féliciter les nouveaux élus, donc Lise de Lille qui est ici ce soir, on a M. Ivan Corriveau aussi et Adam Patry, ainsi qu'à ceux qui ont déjà été élus par acclamation. Nous aurons à travailler tous dans le même sens pour faire progresser notre ville dont nous sommes fiers. Enfin, merci à ma famille. Faire une vraie campagne électorale, c'est intense. Avec un bébé de six mois à la maison qui ne fait pas encore ses nuits, ça l'est encore un peu plus. Merci à ma conjointe Kathleen qui ne dort plus, qui travaille très fort et qui me supporte admirablement. Merci à mes parents et à mes proches pour leur appui si important dans une période aussi exigeante. Et merci à vous tous qui m'avez reçu et accueilli un peu partout et qui m'avait accordé un appui sans équivoque. Chaque jour, je suis plus fier d'être tête-ferdois et je continuerai de travailler sans relâche afin de conserver cette fierté qui nous anime tous. Merci, bonne soirée et félicitations à tous les élus. Dans la municipalité d'Irlande, trois candidats se faisaient la lutte à la mairie et c'est M. Jean-François Hamel qui a eu le meilleur sur ses opposants, M. François Descaries et Réjean Vézina. M. Jean-François Hamel a récolté 39 des votes pour 159 votes. Au chapitre des conseillers, Mme Jenny Martineau a eu le meilleur sur M. Pascal Gourdeau. À Coleraine, une lutte entre Gaston Nadeau et Josette Vaillancourt s'est soldée par la victoire de M. Nadeau, qui a recueilli 560 votes pour 59,4% des suffrages exprimés. Madame Josette Vaillancourt récoltait, quant à elle, 380 votes. Au chapitre des conseillers à saint joseph de coleraine M. André Cloutier et M. Steve Tardy étaient élus, respectivement, au postes 3 et 6 à D'Israeli-Paroisse l'élection a pris vraiment l'allure d'une consultation référendaire et pratiquement toute l'équipe de madame Jacinthe Patri qui s'était prononcée contre le changement de nom de D'Israeli-Paroisse en Belle-Rive ont été élus. Madame Jacinthe Patry a obtenu 459 votes comparativement à 280 pour Monsieur Michel Bourgault. Au chapitre des conseillers municipaux, Madame Nancy Lefebvre, Monsieur Richard Lapalme, Monsieur François Fortier et Monsieur Roger Houd, tous de l'équipe de Jacinthe-Patry, ont été élus. Les quatre conseillers en question ont obtenu des majorités variant entre 58 et 63 Déjà, deux candidats avaient été élus sans opposition, à savoir Monsieur Roberto Ardito et Monsieur Daniel Belliveau. À Isbraton, où les enjeux étaient également assez sérieux, Monsieur Kevin Mathieu a été reporté à la mairie en récoltant 675 votes comparativement à 503 pour son adversaire, M. Michel Vachon, ce qui représente 57,3% des suffrages exprimés pour M. Kevin Mathieu. Par contre, M. Mathieu devra composer avec l'équipe de M. Vachon en bonne partie. José Saint-Pierre de l'équipe Kevin Mathieu a été élu au siège numéro 1, alors que Annabelle Vachon, Pascal Lessard, Patrick Bergeron et Marco Bernard ont été élus comme conseillers municipaux à la municipalité d'East Broughton. À Saint-Pierre-de-Bretonne, la mairesse sortante, Mme France Laroche, a été reconduite à son poste en l'emportant avec 307 votes pour 62,8 des suffrages, alors que M. Bertrand Gagné, son opposant, y est allé avec 182 voix. Alexandre Dubuc-Ringuette a été élu l'emporté sur Alain Saint-Hilaire et monsieur Dany Paré a également été élu, l'emportant sur monsieur Lucien Gagné. À saint jacques de liz euh, surprise euh, d'une certaine façon, alors que monsieur Philippe Chabot, qui a déjà occupé le poste de maire de la municipalité, a été élu et euh, avec 278 votes, soit 74,7% des suffrages exprimés. Il a ainsi eu le meilleur sur le maire sortant, M. Camille David, qui a dû se contenter de 94 voix. Il y avait élection également au poste numéro 3 de conseiller, alors que M. Marc-André Routier a eu le meilleur sur M. Daniel Vachon. À la municipalité de Kenners Mills, euh, M. Paul Vachon, qui était maire et également préfet de la MRC, a été réélu euh, sans contredit, sans conteste, avec 211 voix, contre son opposant, M. Marquis Bédard, avec 62 voix. Pour M. Paul Vachon, il s'agissait de 77,3 des suffrages exprimés. Quant à M. Bédard, on se révélera qu'il avait déjà occupé le poste de maire de la municipalité de Kenner's Mills. Également, il y avait élection au siège numéro un, alors que Mme michelle Bernier-Pajot a été réélue. Nous avons un petit extrait de M. Paul Vachon qui nous fait part des grands enjeux pour les quatre prochaines années à la MRC. Des appellages. On a par contre, je viens d'annoncer l'élection de M. Paul Vachon à la mairie de Caners Mills. On l'a en angle, Martin, euh, je pense que oui, ça va ben t'intéresser oui. de lui parler. Bonsoir, M. Vachon. Bonsoir. Félicitations pour euh, votre réélection. Merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez nous parler un peu des enjeux que vous voyez à l'horizon pour, euh, pour la MRC euh, dans, les, dans les prochaines années? Ah, ben oui. Écoutez, euh, c'est. Nos actions vont être axées sur le développement. Hein. Déjà, il y a un projet qu'on connaît qui va se réaliser en 2018. Il s'agit du gaz naturel vers Adstock et Saint-Clotilde. Et ça, ça va consolider les emplois à, à, la, à la boulangerie Saint-Méthode, entre autres. Par contre, on parle, on, on va en parler encore probablement pendant plusieurs années du retour du train. Il faut en faire la preuve. C'est un gros projet de 40 millions. On a un projet aussi de déploiement de fibres optiques pour l'ensemble de la MRC. Aussi, là, on est dans les, les 20 communions. Alors, euh, il s'agit de projets qui sont, qui sont très importants. Puis, il y a le fonds aussi de développement qui nous avait été promis par le par Philippe Pouillard, que, sur lequel on travaille encore, mais qu'on n'a on a pas encore la concrétisation. Et ça, on y tient. Mmh. On y tient mordicus. On attendait après les élections voir les résultats. Maintenant, on va avoir une autre équipe, de toute façon, puis on va travailler là-dessus pour aller chercher ce fonds-là pour développer notre région. Donc, des beaux projets structurants, puis un fonds qui va pouvoir nous aider à aller plus loin encore là, avec ces projets-là. Absolument, oui. Ben, merci beaucoup, M. Vachon. M. Vachon, dites-moi, oui. euh, dans la MRC des Appalaches, il y a eu des élections assez mouvementées. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça, là? Euh, je veux dire, d'Israélite-Paroisse a brassé cette année aux élections. Il y a du changement en vue les... à saint joseph de coleraine aussi. Oui, je ne connais pas les résultats euh, ailleurs. Mais écoutez, moi, je vais travailler avec le monde qui sont là. Et euh, moi, moi j'ai toujours dit, peu importe, euh, peu importe la, la ville, il faut, quand on se présente, il faut se présenter pour les bonnes raisons. Il ne faut jamais se présenter contre quelqu'un. Il faut se présenter pour quelque chose, pour développer notre municipalité, pour développer des projets pour la faire avancer. Alors, moi, les gens qui sont là, euh, ça va me faire un immense plaisir de travailler avec eux. Puis, j'attends ça avec impatience. À la municipalité de Sacré-Cœur de Jésus, où il, le maire Guirvois avait été élu par réclamation ou sans opposition, M. Daniel Paré a été élu au siège numéro 6 avec 155 votes contre 43 pour M. Steve Vachon. Alors, rappelons que dans cette municipalité, il n'y a pas eu d'élection à la mairie. À Stock, euh, presque tout le conseil municipal, y compris le maire, M. Pascal Binette, euh, a été élu sans opposition. Or, euh, M. Binette euh, et les conseillers Sylvain Jacques, Nelson Turgeon, Martine Poulain, Nicole Champagne et Pierre Quirion avaient été élus sans opposition. Michel Réaume a eu le meilleur sur Mélanie Schenck au siège numéro 2. M. Réaume a mérité 129 votes contre 83 pour son opposante. À la ville d'Israël, le maire Jacques Lessard avait été élu sans opposition, tout comme les conseillers Germain Martin, Alain Brochu, Charles Audet et Roque Rousseau. Il y avait cependant élection au poste de conseiller numéro un, à savoir Madame Juliette Jalbert qui l'a emporté sur M. Jean-Yves Landry. Mme Jalbert est allée chercher 146 votes contre 99 pour M. Landry, alors que Alain Daigle, au siège numéro 3, a été élu avec une majorité de 17 votes. Il a mérité 85 voix contre 68 pour Mme Pauline Poirier, qui était conseillère sortante. À la municipalité de Sainte-Praxède, on se rappellera que le maire, Daniel Talbot, avait été élu sans opposition. Or, euh, M. Talbot avait été élu en même temps que les conseillers Jean-François Roy, Paul Audet, Martin Bussière et Gaëtan Lapointe. Par contre, au siège numéro 3, Mme Jacqueline Demers a été élue avec une majorité de 45 voix. Sur son opposant, M. Gilles Gagnon. Mme Demers a récolté 149 votes contre 104 pour son adversaire. M. Gilles Dehais a mérité le poste 5 pour euh, l'emporter avec 11 voix de majorité seulement sur Manon Roy. M. Dehais a obtenu 134 votes contre 123 pour Madame. Roy. À Beaulac-Garbé, Mme Isabelle Gosselin a conservé son poste de mairesse, étant élue par euh, acclamation, sans opposition. Alors, euh, élue sans opposition également les conseillers Germaine Martin-Dillon, René Thibaudot, Jean-Guy Levasseur, Bruno Martin et Marc Bayarjon. Au siège numéro 5, Madame Linda Marceau l'emportait sur Madame Isabelle Roberge, conseillère sortante. Madame Marceau méritait 208 votes contre 112 pour son opposante. Cinq municipalités n'avaient pas d'élection, ne présentaient pas d'élection d'aucune façon tant à la mairie qu'au niveau des conseillers. Alors, il s'agit de Saint-Jacques-le-Majeur, avec M. Stephen Laprise à la mairie, et euh, comme conseillers et conseillères, Dominique Daigle, Jules Bédard, Gérard Lemay, Marc-André Grenier, Michel Côté et Josie Belzile. Même euh, situation, à Saint-Jean-de-Brébeuf, où le maire jocelyn euh, Hamel a été élu sans opposition et a vu son conseil municipal être élu également de la même façon. Or, euh, les conseillers à Saint-Jean-de-Brébeuf seront jocelyn Champagne, Gervais Côté, Jean Pronovo, Brent Maxwell, Raymond Dempsey et Madame Hélène Simon. À la municipalité de Saint-Fortuna, également, aucune élection n'a été nécessaire. Denis Fortier a été reporté à son poste de maire, alors qu'ont été élus sans opposition les conseillers Rosaire Dubé, Lynn Gérard, François Boilard, Véronique Bégin, Michel Poirier et Stéphanie Vallée. À sainte clotilde -de, -de, de beauce aucune élection n'a été nécessaire alors que le maire, M. Gérald Grenier, a retrouvé ses conseillers sortants, Michel Gagné, David Trépanier, Marco Grenier, Marco Lachance et Robin Rodrigue, tous conseillers sortants réélus, et Jason Pomerlo, qui lui a été élu sans opposition et qui est le seul nouveau au sein du conseil municipal. À Saint-Adrien d'Irlande, maintenant, alors qu'une deuxième période de mise en candidature a été nécessaire, Mme Jessica Lacombe est revenue sur sa décision, a posé sa candidature lors de la seconde période de mise en candidature et a été élue sans opposition. Au chapitre... Des conseillers, M. Roque Côté, Mme Vanessa Daigle, Mme Solange Thibault-Turcotte, Mme ma Dany Mercier, Karl Croteau et Claude Blais ont été élus comme conseillers municipaux. Euh, nous parlions tout à l'heure du Conseil des maires de la ville, euh, ou plutôt de la MRC des Appalaches. Alors, euh, ce Conseil des maires sera formé de M. Pascal Binette d'Adstock, Madame Isabelle Gosselin de Beaulac-Garbet, garbé Mme Jacinthe Patry de Disraeli-Paroisse, M. Jacques Lessard de Disraeli, M. Kevin Mathieu d'East Barton, M. Jean-François Hamel d'Irlande, M. Paul Vachon de Kenner's Mill, M. Roy de Sacré-Cœur de Jésus, Madame Jessica Lacombe de Saint-Adrien d'Irlande, Monsieur Gérald Grenier de saint clotilde de Beauce, Monsieur Daniel Talbot de sainte praxède Monsieur Denis Fortier de Saint-Fortunat, Monsieur Philippe Chabot de Saint-Jacques-de-Leeds, Monsieur Stephen Laprise de saint jacques le major Monsieur Ghislain Hamel de Saint-Jean de Brébeuf, Monsieur Gaston Nadeau de Saint-Joseph de coleraine Monsieur Jacques Laprise de Saint-Julien, Madame France Laroche de Saint-Pierre-de-Bretonne et Monsieur Marc-Alexandre Brousseau de Thetford Mines. Rappelons que sur les 19 maires, 15 ont été reportés à leur poste de maire. Autre chose à signaler au niveau du Conseil municipal de Thetford Mines, signalons que avaient été élus sans opposition, Mme José Perrault, M. Michel Vérot, M. Jean-François Delille, Mme Hélène Martin et M. Yves Bergeron. Trois nouveaux conseillers euh, seront en poste pour les, prochains, les prochaines quatre ans, à savoir M. Adam Patry, M. Yvan Corriveau et Mme Lise Delille. Rappelons la défaite de deux conseillers sortants. M. Daniel Poudrier et Mme Denise Bergeron. Alors, c'est ce qui fait un survol de ces élections du 5 novembre dans la MRC des Appalaches. Nous espérons que ces informations ont su vous satisfaire et nous vous invitons à nous retrouver pour Appalaches en quelques mots, mais cette fois-ci, les éditions régulières. À compter de la semaine prochaine. À, à tous et à toutes, une excellente semaine.